Eh bien, salut à tous les amis, c'est Mectal. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel, voilà. Donc, on se retrouve sur Friendzone. Voilà, désolé, moi, je sais pas trop quoi faire. Voilà. Je suis désolée. Hein. Voilà, donc, on est sur le chapitre 4, terrible nouvelle. Parce que je vous rappelle, la dernière fois, il y avait Eva Belle. Elle avait disparu pendant un petit moment. Puis après, elle a recontinué la discussion en disant « Je suis présent » au lieu de dire « présente ». Puis après, elle a rajouté « présente ». Mais bon, moi, je pense qu'elle était enlevée et tout. Ouais, non. Non, elle n'a pas été enlevée, bref. Moi, je sais pas après. Mais bon, on est dans terrible nouvelle. Jouer. Merci. Cherchement de la vidéo pour débloquer le prochain chapitre. Ok, bon bah on va faire une petite ellipse hein. Voilà, donc. Terrible nouvelle, le lendemain matin. Donc là déjà c'est Christophe Bell. Bonjour Maurice, je suis le père d'Eva. Je me permets de t'envoyer ce message à toi et à Zoé car à notre retour de week-end, ce matin notre fille n'était pas présente. Comme nous savons qu'elle était censée discuter avec toi et son amie Zoé, nous voudrions savoir si elle vous a rejoint chez vous. Merci de nous répondre au plus vite. Nous faisons énormément de soucis. Christophe. Peut-être avec Zoé. Je pense que ça doit être avec Zoé. Possible. Alors, le souci, c'est que Zoé ne répond pas à nos messages non plus. Elle ne t'a rien dit ? On lui montre la conversation ou pas? Ouais, on lui montrer la conversation. J'appelle tout de suite la police. C'est si grave, je suis vraiment désolée. C'est si grave? Alors, là, je n'aurai... Toi et Zoé, vous ne... Vous rendez pas compte. Hier soir, vous ne parliez sûrement pas avec ma fille, du moins pas à la fin. Il est évident qu'il s'agissait de quelqu'un d'autre. Christophe Bell s'est déconnecté. Le chapitre va se finir dans quelques secondes. Vous voyez? Je vous l'avais dit. Oh putain, un an plus tard. Voilà qu'un an, Eva a disparu, ses parents et les services de police ne la... Ok, là c'est inconnu. Une fois vous interpelle dans la rue. Excusez-moi. On se connaît. Ok, donc là c'est une inconnue. C'est la question que je me pose. J'ai bien l'impression que oui. C'est Zoé, peut-être que... Peut-être, mais je ne vois pas qui vous êtes. Non, c'est Zoé? On va lui demander si c'est Zoé. Oui, c'est bien moi. Je m'en doutais un peu, hein. S'il y avait ses Zoé. Alors tu ressembles à ça en vrai, Maurice? Ouais. Oh, commence pas. Je m'attendais pas du tout à ce que tu ressembles à ça aussi. J'imagine. Ouais, j'avoue, elle a une tête un peu noire. Ça fait du bien après un an de te revoir. À moi aussi. Non, j'ai cliqué sans faire exprès. Tu deviens quoi? Eh bien... Je vais pas te mentir, je suis perdue. Ah merde. Eva était la seule personne qui me comprenait. Ses parents essayent de m'aider, mais je me sens totalement fautive. Ce n'est pas de ta faute. On est tous les deux fautifs. Non, c'est pas sa faute. Si, ça, l'est. C'était évident et moi je n'ai rien dit. Ne dis pas n'importe quoi. Parce que vous pouvez... Attendez, je me gratte l'œil. Enfin, je m'efforce d'oublier. Comment vont les parents d'Eva? Voilà. Donc, normalement, il est censé y avoir une miniature ses parents. Christophe garde la tête haute et fait tout pour retrouver sa fille. D'ailleurs, il m'a dit qu'il a apprécié ta coopération le lendemain de la disparition d'Eva. C'est un homme bien. Je le considère comme mon second père. Il a beaucoup fait pour moi. Sinon, toi, que deviens-tu? Toujours le même
Eh bien, j'essaie d'avancer, je garde espoir. Bon, toujours le même. Et ouais, du coup, il y a une ligne à suivre, vous me dites en commentaire si ça vous plaît, hein. Alors, la disparition d'Eva ne t'a pas changé? Je m'attendais pas à cette réponse. Ouais, il faut avancer. Écoute, enfin non, je voulais pas dire ça. Pardon. Qu'est-ce que tu voulais dire alors? J'essaye toujours de m'améliorer. J'essaie aussi. Mais une miniature, normalement, elle est censée être assez bien. Donc les overlays, vous me dites hein, si ça vous plaît. Et 10 pouces bleus en bas de cette vidéo. Je vous dis pendant une semaine. Non, allez, 2 semaines, les potos. 2 semaines. C'est beaucoup pour moi, hein, d'abord. Pendant 2 semaines, je fais une vidéo. Tous les jours. Ça, c'est pas des paroles en l'air. Voilà. Donc vous mettez 10 pouces bleus en bas de cette vidéo-ci. Ou des autres qui vont suivre. Je vous fais une vidéo tous les jours pendant 2 semaines. Mais à chaque fois que le soleil se lève, de nouveau l'espoir de la retrouver diminue. Je suis désolée si cette année tu n'as pas pu me recontacter. Je suis si désinscrite du site je me suis désinscrite du site internet. Ok. Tu ne comptes pas te réinscrire? Je pense que tu dois te Je pense que tu dois te réinscrire. Je pense qu'elle doit se réinscrire. Hein. Je sais, mais je compte pas le faire. Oh, et tu vas pas saouler non plus, hein. Tout simplement parce que je vais revoir la conversation, les photos d'Eva. Non, merci. Comment je peux te rappeler alors? Je peux quand même avoir ton numéro? Ouais, allez. On lui demande son hume, voilà. Je ne sais pas. Je ne suis pas trop fan des SMS. Mais je vais quand même te passer mon numéro. Et pas trop fan des SMS. Celle qui parle depuis tout à l'heure. Vous et Zoé avez échangé vos numéros. Tu suis toujours les mêmes cours. Pourquoi je ne t'ai pas vu cette année? Ouais, je sais pas pourquoi je n'ai pas vu. Hein. Alors, là, elle répond. Les premiers jours, je n'ai pas réussi à affronter le regard des gens. Oui, bah. Moi, perso, je peux vous dire. Attendez, je vais vous dire un truc après. Tu comptes quand même reprendre les cours? Je te propose de ne plus en reparler, on doit aller de l'avant. Du coup, avant de mettre la... Pardon. Je baille. Du coup, ouais, moi je vais, l'année prochaine, changer de collège. Donc je suis au collège de Jeune-Éclan, Saint-Exupéry. Et là, je vais aller à la MFR à Bonneuil. Donc, voilà. Moi aussi, je vais devoir affronter le regard des gens. Je reviens tout juste de l'université pour ma réinscription. Je ne veux pas rater mon train, Maurice. Je vais y aller. Pas de soucis, j'espère te revoir vite. À bientôt. Zoé espérait de meilleures retrouvailles. Bonne journée. Zoé part. Le chapitre va se finir dans quelques secondes. Donc c'est bon, on a le temps. Bon, on a encore le temps. Ah bah, désolé, hein. Ouais, donc, voilà, il y a Eva Bell, elle vient de nous reparler. Il est 3h33 du matin. Donc, je comprends pas. Bonsoir, Maurice. Eva, c'est toi? Donc, ouais, je pense. Ouais. Non, mais la meuf a disparu après 1 an. Larry va faire genre... Salut, c'est moi, Choupi. La meuf, c'est bon, elle arrive... C'est trop cru dans Nemo, elle. Je voulais pas te réveiller. Ça tombe bien, je dormais pas. Comment tu sais que tu m'as réveillée? Tu es passée où? Ouais, grave, comment c'est qu'on m'a réveillée? Je suis à côté de toi, Maurice. J'espérais juste que tu dormes paisiblement. Tu étais où? Est-ce que tu es en sécurité? Ouais, parce que c'est un peu fait enlever quand même. Je n'ai jamais été plus en sécurité qu'aujourd'hui. Ok. Je suis content alors. Mais qu'est-ce que tu me racontes?
Où es-tu? Oh, parce que elle est un peu. Je sais même pas où aller. Je suis là. C'est ce qui compte. Je suis là. C'est ce qui compte. Mais ça ne veut rien dire. Laisse-moi faire ma vidéo, toi aussi, malheureux. La meuf, j'aime bien fait. Je suis là. C'est ce qui compte. Ah ouais, mais je sais pas où t'es. Je suis d'accord avec toi. Non, je veux savoir où t'es. Ce mec insiste. Non. Je suis d'accord avec toi. Bon. Elle va répondre ou pas? On peut l'appeler. Ah non, bah ça marche pas. Ça, c'est marrant. Je m'excuse de t'avoir fait peur. Je ne voulais pas. Et pas, je ne comprends rien du tout. Je m'inquiétais pour toi. Je n'avais pas peur. Oh, Dieu. Ouais, pourquoi j'ai dit ça, moi? Pourquoi j'ai dit ça? Je te promets que tu comprendras vite. Prends-moi la main. Tu n'es pas à côté de moi. Comment tu veux que je te prenne la main? Prendre la main? Vous avez pris sa main. Et gros, si on est à côté, on parle pas un message. As-tu peur de quelque chose? Ouais, j'ai peur de te perdre. Mais je comprends rien. Comment je peux lui prendre la main alors qu'elle n'est pas à côté de moi? Et si elle est à côté de moi, pourquoi on parle par message? Je comprends pas. Je comprends, car moi aussi j'ai peur de perdre quelqu'un. Tu sais, je vais te confier un secret. J'ai toujours eu du mal à le partager. Je suis orpheline. Je n'ai jamais connu mes parents biologiques. Vous avez réussi à déceler une information importante. Mais j'ai quand même ma petite sœur avec moi et j'ai toujours eu peur de perdre la seule chose qui me correspondait dans ce monde inconnu. Continue, s'il te plaît. Moi, je suis un gentleman. Non, je déconne. C'est pas vrai, c'est pas pareil. Me croyez pas quand je dis des conneries, pareil. Oh putain! Trop bien! Deux secondes. On arrête. La meuf, quand même, elle change le fond de mon écran. Attendez un peu, oui. Écoutez bien. Je l'applaudis des deux mains. Je sais pas comment elle fait. Je lui ai accordé énormément de confiance à cet enfant. Elle a 2 ans de moins que moi. Mais c'est un ange. Je l'aime. Regarde, il existe un monde parfait. Il est où? Je sais pas où il est. Un monde sans corruption, sans tristesse. Se rapprocher d'Eva. Ouais, je pense qu'on est à côté. Maurice? Oui, Eva? Nous avons tous des peurs. Dans un tel monde, il n'existe pas de cauchemar que tu ne peux que rêver. C'est bien ce que tu fais rêver avec moi. On a combien de minutes? 13? Ah, mais dépêche-toi! Mais on est où? Quoi, je rêve? Mais on est où? Ouais, on est où? À la fin du chapitre, les potes, on termine, puis voilà. Tu aurais pu éviter tout ça, et tu le sais, au fond de toi. Éviter quoi? Comment ça j'ai pu éviter tout ça? Ouais, grave, éviter quoi? La meuf, elle nous parle de trucs, mais on sait même pas de quoi elle parle. Tu ne comprends toujours pas? Je suis morte, Maurice. Quoi? Ouais, ici, le jeu qu'on connaît, hein. What? Le chapitre va se finir en quelques secondes. What? Mais il s'est passé quoi? Mais non, les gens! Vous avez vu ce qu'Eva vient de nous dire? Mais non, mais j'y crois pas! Mais non, mais. Et puis vous avez vu le fond ce qu'il a fait? Mais non! Mais cette histoire, c'est de plus en plus du n'importe quoi. De un, la meuf a disparu, après elle a dit qu'elle est morte, elle arrive à communiquer avec nous. Putain, mais ça fait peur, arrêtez, hein, ça fait peur. Après, il y a Zoé Topaz, on s'en fout de son nom de famille, mais c'est Zoé, elle vient nous reparler. On sait qu'Eva est morte, enfin, moi j'y pense pas, mais le fond a fait du n'importe quoi. Mais c'est abusé les gens, c'est tellement abusé. Ouais, du coup, on va se quitter là, hein. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, parce qu'à 10 pouces bleus, je fais une vidéo tous les jours pendant 2 semaines, voilà.
abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez les petites notifications. Et du coup, on va se dire bye les amis, c'était Natal, à la prochaine, portez-vous bien, surtout, n'oubliez pas, vous êtes les meilleurs. Tchuss!